Bon, ah bah c'est génial. On peut pas passer. Les arbres... On peut pas. J'ose même pas marcher. Mon Dieu. Apocalypse. C'est des énormes arbres. C'est impossible. Les chouchous! S'il vous plaît. Loulou! Rocky, Joey! S'il vous plaît. Oh non, le portillon est ouvert. Mon Dieu. Ils sont où? Toi t'es là. Mon Dieu. Le bureau. Oh putain. Jackson! T'es là. Ok. Cerise! T'es là, ok. Le loutre! J'ai perdu le loutre. Donc voilà les dégâts dans le parc de Malone, entre le parc de Malone et Harlem et Flamme. Donc Malone va bien, il n'y a pas de souci. Mon loulou, il était dans son bâtiment, tout va bien. Flamme et Harlem vont bien aussi, ils étaient rentrés à l'intérieur. Voilà, tous les chiens vont bien, il y a plusieurs choses qui se sont envolées, qui se sont écroulées, il y a plein d'eau dans le bâtiment. Mais voilà, le plus gros dégât, c'est l'arbre en fait qui est tombé sur le portail. Donc dans le couloir, dans le chemin pour aller de l'autre côté, donc l'arbre il est tombé, il est sur la clôture d'à côté, mais pour l'instant ce couloir est pas praticable, parce que sinon ils vont se faire tous la malle là. Et puis un autre qui est tombé comme ça. Donc là, dans le couloir, on a aussi un arbre qui s'est écrasé. Donc c'est tout trempé. Hier soir, avec la chaleur, on avait laissé la porte ouverte pour que puisse y avoir un peu de fraîcheur le soir et que les animaux puissent sortir. Et là, c'est trempé. Tout est trempé. Nous avons une piscine pour chats. Waouh, on adore. Bon, bah le plafond, capoutin. Petit problème de plafond, je crois. Plouf. Loulou, t'es retrouvé. Oh, mon chéri. Oh là là. Aïe, t'as-tu retrouvé Loulou? Cette nuit, hein, oh là là, mon chéri. Ah, c'est fini. Et donc la niche, elle est là en dessous. On la voit si tu veux de l'autre côté, on peut faire un peu le tour. Avec la jolie, quand on a fait le tour, on a réussi à trouver un petit chemin.